Salut les gens, on va parler liquide aujourd'hui, on va parler d'un liquide de chez Bordeaux 2, je les ai tous, je vous les distille au fur et à mesure. Petite nouveauté chez Bordeaux 2 puisque on est passé maintenant sur la gamme Jean-Claude. Qu'est-ce que c'est que la gamme Jean-Claude? C'est exactement la même chose que ce que vous aviez déjà avant, sauf que maintenant on est avec des dosages en PGVG différents, à savoir on est à 80% PG, 20% VG. Pour ma part, j'ai la gamme premium. La gamme premium, c'est du 50-50, ce qui moi en l'occurrence me va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un liquide donc qui est celui-ci, qui est Bonne Vapote. Voilà, Bonne Vapote. Qu'est-ce que c'est-il? Alors, je vais vous dire ce qu'on nous en dit sur le site. On nous en dit la vape des gourmands qui ont les yeux plus gros que la tau, une tarte tata plein de souvenirs. C'est bon, mais c'est chaud. Voilà ce qu'on nous en dit. Pour ce qui est de la fiole, on est toujours sur la même chose pour Bordeaux 2. On va retrouver donc au départ on va le retrouver, Bonne Vapote, le nom du liquide, ainsi que derrière l'authentique recette de Mamie Vapote. Un petit slogan, on va retrouver le nom, donc Bordeaux 2, le dosage, pour ma part c'est du 11 mg, une DLUO qui est à septembre de 2015, c'est bien ça, des pictogrammes, moins 18, nocif, recyclage, femme enceinte, on est sur des fioles en 20 ml, et on a la composition, là on est sur un liquide qui est en 60-40, donc on n'est même pas sur du 50-50, donc on est en 60-40, des arômes alimentaires et présence ou non de nicotine suivant ce que l'on a. Voilà, on est sur une fiole en verre avec un petit peu coloré, un bouchon sécurité enfant et une pipette. J'ai testé ça moi dans quoi? J'ai testé ça dans l'aérotank. J'étais à quelque chose comme 11 watts sur le Clouport Mini. C'est sympa, ça fait de la vapeur, pas énormément. Aujourd'hui on va tester ça donc dans la TI, double coil, on est à quelque chose comme 0,7, 0,8, 0,9, un peu plus, avec un accu qui est chargé normalement. Voilà, on est bien sur du 60-40 et on est bien sur du 11 mg. On va juste essuyer un tout petit peu parce que ça babouille partout. Je l'ai rempli à la limite même de le noyer. Qu'est-ce qu'on en dit de ce petit liquide? Déjà qu'on a une belle vapeur. Et c'est appréciable sur le dripper. On est sur le Venom au niveau du mode. Au niveau du hit, il est pas super super puissant, il est pas super fort, mais il est présent. Petit hit de 11, ça va, c'est raisonnable. Il est pas agressif, il est plutôt doux. Ça passe plutôt pas mal.
Au niveau des saveurs. Au niveau des saveurs, on a le goût un petit peu gâteau qui ressort. Qui ressort pas mal même. Peut-être même un petit peu plus que sur l'aérotank. Et du coup le goût des fruits qui en théorie censé être de la pomme ressort un petit peu moins. On a un petit goût de fruité qui se mélange avec un espèce de caramel, mais caramel sucre. Il est pas mauvais, Sticky. Il passe plutôt pas mal. À le noter, si je devais le noter, Sticky. D'ailleurs, on va essayer sur Clouport pour voir ce que ça donne. On va monter un petit peu du coup la puissance et ça va me permettre de vous dire à combien j'étais en termes de en termes à combien j'étais au niveau de mon oups là de ma résistance. Alors. On a une résistance de 1, voilà, donc j'étais pas loin tout à l'heure, c'est bien ce que j'ai dit. On est à 1. Et on va monter un petit peu. On va monter à 20 watts. C'est ça. Les saveurs elles sont moins présentes en fait que sur l'aérotank au niveau du fruit, c'est plus le gâteau qu'on ressent, même si c'est présent, ça l'est moins. Du coup, l'avantage de ce petit liquide qui est moitié sucré, moitié sec, c'est qu'on va pouvoir le vaper tout le temps. Du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de. Voilà, ça passe tout le temps en fait. Si je devais le noter, ce liquide, si je devais le noter, je lui mettrais. Ouais, je lui mettrais 4. Je lui mettrais 4 parce qu'il est. Il est bon, il est pas écœurant, il est pas trop fort, il est pas trop doux. Il apporte une dose de. Neutre. Et en même temps, il est surélevé par le goût du sucre. J'aime bien. Un bon petit liquide. Un bon petit liquide. Voilà. On a tout dit sur le bon vapote de chez Bordeaux 2. On se retrouve bientôt. Ciao.